Salut les petits poussins et bienvenue sur ma chaîne. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Swan. Je suis graphiste et illustratrice. Mais aujourd'hui je vous fais une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec l'illustration. Ça faisait un petit bout de temps que j'y réfléchissais. Voilà, je voulais faire une vidéo sur mes gestes écolos. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que je pense que c'est important de nos jours de voilà, partager ce genre de petites astuces pour essayer de faire en sorte que notre planète souffre un peu moins, on va dire, même si c'est un petit peu critique en ce moment. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais c'est voilà, pour vous partager mes conseils, mes astuces. Alors pour vous expliquer, j'ai des antécédents par rapport à ça qui sont assez médiocres, puisque avant je n'en avais absolument rien à faire. Disons que ça faisait pas partie de mes valeurs de base, l'écologie, faire attention aux déchets, etc. Bah, j'ai grandi comme une personne lambda, on va dire, qui consomme, qui jette, qui fait le tri, voilà, mais sans plus. Et tout ça pour vous dire que depuis quelques temps, j'ai commencé à conscientiser tout ça et je me mets depuis plusieurs mois, on va dire, années, mes petites années, à essayer d'adopter des gestes un peu du quotidien pour réduire tout ça. Mais vraiment, on partait de très loin, donc tout ça pour vous dire que pour moi, si j'arrive à faire ces petits gestes du quotidien dont je vais vous parler, pour moi tout est possible. Enfin, vous aussi vous pouvez y arriver, donc il n'y a pas de raison, n'ayez pas peur et voilà, je vous donne ces petits tips. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai enregistré cette vidéo 50 fois et elle était beaucoup trop longue, enfin dépassé les 20 minutes, donc voilà. Rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, mais je voulais vous parler de mes gestes écolos parce que je vous en avais parlé dans une vidéo et vous m'avez dit ouais, fais une vidéo, ça pourrait être cool et tout machin. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite recette de bubble tea maison et une annonce par rapport à un projet de pins que j'ai avec Manon, alias Datacord Foster sur Instagram, donc restez jusqu'à la fin. Donc pour commencer, on va parler juste tout simplement de produits rechargeables, parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie au quotidien, mais il y a plein de produits. Au lieu de racheter à chaque fois des nouveaux emballages plastiques, on pourrait tout simplement acheter des choses et acheter des recharges qui sont beaucoup moins polluantes et qui génèrent moins de déchets plastiques. La lessive tout simplement, j'ai acheté ce bloc là, après j'achète des recharges toutes simples qu'on revide dedans et c'est juste une petite pochette plastique, donc c'est beaucoup moins polluant. Le liquide vaisselle, au lieu d'acheter les petits que vous achetez en magasin, j'achète celui-là qui est très bien, qui est bio en plus, qui est immense et qui me dure très très longtemps, que je remets dans une pompe régulièrement en fait, donc, et ça coûte pas très très cher. Donc petit tips pour votre porte-monnaie. J'ai aussi tenté le déodorant, alors celui-là il est très bien, c'est les savons de Joya, mais l'été quand il fait vraiment très chaud et que je transpire beaucoup, ça marche pas assez, donc j'ai voulu tenter celui-là, je vais l'essayer bientôt, donc voilà, je vous tiendrai au courant de comment il est, mais c'est un Schmidt, donc on va tester, c'est en stick, voilà. Et celui des savons de Joya, il est rechargeable pour le coup, du coup vous gardez le petit truc en plastique et après vous pouvez acheter juste la recharge de déo, vous la glissez dedans et c'est reparti pour des mois, parce que là ça fait des mois que j'utilise et franchement j'en ai encore plein, donc c'est pas mal, sauf pour l'été du coup quand il fait très chaud. J'utilise aussi les recharges pour le gel douche et pour tout simplement le savon en fait. Enfin, au lieu d'acheter à chaque fois un nouveau savon, j'achète le Sanex et j'achète des recharges pour Nel, notamment qui aime bien utiliser le gel comme sa douche liquide. Et moi, je m'achète des blocs de savon, savon de Marseille. Voilà, bah, j'appelle pas ça, enfin, c'est pas vraiment des recharges, mais voilà, au lieu d'acheter à chaque fois un petit savon, j'en achète un gros bloc. Et voilà, il y a juste un tout petit peu de plastique autour et c'est beaucoup moins polluant que des gels douche. Ensuite, je vais vous parler des produits qui sont lavables. Alors, c'est très vaste, mais tout simplement, les lingettes démaquillantes, bon là, j'en ai plus parce qu'il faut que je les lave, mais justement, bah, parce qu'elles sont lavables, c'est des petits disques de coton, comme les cotons que vous achetez démaquillants, mais que vous en jetez 5 par jour parce que pour vous démaquiller, vous en avez besoin de plein. C'est juste voilà, fait en tissu et en éponge, et j'en ai acheté sur un site... les tendances d'Emma ou un truc comme ça. C'est un petit budget à investir, mais franchement ça vaut grave le coup parce qu'après bah, vous les mettez dans votre machine dans un petit filet type filet de lingerie on va dire, et vous le lavez à 40-60 et bah, vous les séchez, c'est tout propre, vous pouvez vous redémaquiller en boucle et ça va vous durer très longtemps. Donc, ça fait des mois que j'utilise ça et franchement c'est super pratique. Ensuite les pailles, ça je vous en avais parlé dans le blog, dans le lit du vlog il y a pas longtemps, donc là bon, les autres sont à laver, mais bon, j'en ai acheté sur Amazon dans un petit kit comme ça, il y en a 4 ou 5 avec le petit goupillon pour nettoyer, et justement pour les bubble tea c'est super pratique parce que bah, c'est des pailles qui sont larges, vous pouvez aussi en acheter des petites normales, et bah, si un jour vous allez boire un bubble tea, plutôt que d'utiliser les pailles qui sont sur place, bah vous vous ramenez avec votre petite paille et voilà. Par contre c'est plus pratique pour ceux qui sont avec un couvercle plutôt que ceux qu'il faut percer parce qu'elles sont pas coupantes, mais même pour boire à la maison, voilà, plutôt que d'acheter des pailles en plastique, on a avec Nel nos petites pailles lavables et c'est trop bien. Dans le même style on a bah, tout simplement les baguettes, des petites baguettes que papa m'a ramené du Japon, donc trop cool.
Et voilà, avec Nel, on a chacun notre paire et on les lave. Et comme ça, quand on se livre à des sushis ou des trucs comme ça, on demande à ce qu'ils ne nous envoient pas les baguettes en bambou, là, ou enfin, en plastique, ou je sais pas quoi, avec les cuillères et les machins. Hop, les baguettes et... Voilà. Ensuite, thermos et gourdes plutôt que les bouteilles en plastique, parce que bah, ça aussi c'est tout simple, ça se réutilise en boucle, ça se lave et vous pouvez l'emmener avec vous. Ça c'est en verre, je pense que je vais le changer parce que c'est trop lourd et après je vais la donner sûrement. Mais vous en avez aussi en inox, je pense que je vais opter pour ça. C'est beaucoup plus pratique, vous remplissez votre bouteille, en plus ça conserve souvent la chaleur ou la fraîcheur. Donc voilà, vous l'emportez avec vous si vous allez au cinéma, si vous allez dehors, si vous... comme vous voulez, voilà. Et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple que d'acheter des bouteilles à chaque fois, c'est chiant, c'est pas pratique, ça pollue, bref. Ensuite, le papier toilette, alors ça c'est un sujet un peu plus, on va dire, original, puisque avec Nel on a un sani broyeur à l'appartement, donc je me suis dit, viens on essaye d'acheter une cuvette un peu à la japonaise, etc. Mais par rapport au modèle de sani broyeur qu'on a, c'est quasiment impossible, du coup j'ai dû acheter un sur Amazon que j'ai un peu bricolé, qu'on a bricolé, on a mis un peu n'importe comment. Mais voilà, en fait c'est l'équivalent d'une douchette, ce qui est très courant dans les pays arabes, et les toilettes japonaises, ben, c'est très courant au Japon. Et ça on n'a pas trop ça en France, alors que c'est tellement plus hygiénique en fait. Je regardais une vidéo de Haïm qui disait, si vous ramassez une merde de chien par terre, est-ce que vous allez vous laver la main à l'eau ou au papier toilette? Parce que en vrai c'est tellement plus logique de se nettoyer à l'eau que de frotter avec du papier, vous allez pas forcément bien enlever les bactéries et tous les trucs dégueulasses qui vont avec. Alors que là c'est de l'eau, si vraiment c'est très sale, bah on a le petit savon à côté et voilà, c'est un petit jet d'eau qui vous nettoie bien. Et pour se sécher, on n'utilise pas de papier toilette, enfin elle, parfois on utilise un peu, mais moi j'utilise des serviettes, comme des serviettes de douche en fait, des petites serviettes qui se lavent à la machine à 60 tout simplement. Et pareil, c'est réutilisable en boucle, du coup on utilise beaucoup moins de papier toilette qu'avant, et c'est plus hygiénique, et voilà, c'est un investissement aussi, mais franchement, moi je trouve que ça vaut le coup au final. En plus, avec les sani broyeurs, si vous en avez chez vous, je vous déconseille fortement le papier toilette, normalement c'est même interdit, donc bref. Voilà, si vous voulez tester. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les éponges pour la vaisselle. Alors ça, j'en avais entendu parler dans une vidéo de Colline, maintenant elle s'appelle, sur YouTube. Et elle parlait de Tawashi, donc c'est des sortes de petites éponges qu'on peut faire soi-même avec vos t-shirts, vos vieux t-shirts, etc. C'est un sort de tissage et ça vous fait une éponge pour nettoyer la vaisselle. Et bon, moi je suis quand même habitué aux éponges classiques avec un côté qui gratte et un côté normal, mais c'est vrai que j'en jetais des tonnes, enfin tous les mois je rachetais un paquet d'éponges parce que bah, ça devient tout crade et tout. Et donc là j'en ai acheté sur Etsy, vous pouvez en trouver plein. Alors j'étais un peu déçue parce qu'il y en a une qui s'est ouverte parce que je pense qu'elle est trop, elle était trop garnie de mousse à l'intérieur. Mais en gros c'est des éponges qui se lavent en machine avec un côté en jute un peu tissé qui gratte pour enlever les morceaux qui restent un peu accrochés sur vos assiettes, et un côté éponge normal. Et dès qu'elle est un peu sale, au bout d'une deux semaines, vous la mettez en machine à 60 avec tous les autres trucs que vous lavez à 60. Et voilà, c'est reparti pour encore des années, des mois, enfin des années je sais pas, mais des mois en tout cas. Donc voilà, on a fait le tour des produits lavables. Maintenant je vais vous parler un peu du vrac. C'est quelque chose pour les courses, etc. Je suis pareil, j'ai jamais été habituée au vrac. Avec mon père on achetait des pots, des cartons, enfin on achetait ce que tout le monde achète dans les magasins classiques on va dire. Et là je m'essaye un peu à acheter les céréales en vrac, le thé aussi. Alors le thé, voilà, c'est vraiment quelque chose qui génère... Enfin moi dans ma vie, le nombre de sachets de thé que j'ai utilisé, le nombre de petits plastiques, vous savez qu'on ouvre pour un sachet de thé tous les matins, un sachet de thé, enfin tous les matins un petit bout de plastique. Du coup bref, je me suis tentée à acheter du thé chez Sostren Grain. J'ai acheté aussi un petit diffuseur, enfin infuseur de thé, et c'est vraiment pratique. Alors celui que j'avais pris à la mangue chez Sostren Grain, il a tendance à faire plein de petits résidus, donc ça filtre pas assez, etc. Mais j'ai retesté après avec celui que j'avais acheté à Londres avec Nel, et vraiment c'est tellement plus pratique. Bon ok, c'est un peu plus chiant parce que le matin il faut le verser machin, après il faut nettoyer et tout, mais en vrai ça génère beaucoup moins de plastique. Vous pouvez avoir plein de thé avec des goûts différents en vrac, vous pouvez trouver un peu n'importe où, donc franchement je vous recommande. Et pareil pour les céréales, du coup maintenant j'essaye de les prendre en vrac chez Naturalia ou Carrefour ou Biocoop, ou enfin une boutique à côté de chez moi, et c'est super pratique. D'ailleurs je vais essayer de coudre moi-même des petits sacs pour éviter d'à chaque fois prendre les petits papiers qu'il y a là-bas. Mais voilà, c'est pas excessivement plus cher, et au moins on peut contrôler la quantité dont on a besoin, et après on les met dans des pots en verre ou des bocaux ou ce que vous voulez. Vous pouvez récupérer des pots de confiture, des pots de compote, et voilà, vous stockez vos trucs en vrac dedans, où il y a le riz, les pâtes, il y a plein de choses, bref.
essayez et vous m'en direz des nouvelles. Moi j'essaie de m'y mettre, donc c'est pas mal quand je fais mes petites courses. Ensuite, on va parler des choses d'occasion. Alors autant je donne beaucoup, les livres, les vêtements, Emmaüs, tout ça, aller donner à des associations, ça ne sert à rien de jeter. Enfin, je trouve ça débile de jeter dans une époque où il y a plein de choses qui peuvent servir à d'autres gens. Donc soit donner à des assos, soit vendez d'occasion sur Facebook, il y a plein de trucs, sur Le Bon Coin, bref. Vous avez plein de possibilités. Et vous avez aussi l'opportunité maintenant de pouvoir acheter aussi beaucoup. Enfin, ça se faisait déjà le troc, les brocantes, etc. Moi, j'adore les brocantes perso. Mais vous pouvez beaucoup acheter d'occasion maintenant aussi les vêtements. Par exemple, il y a des applications comme Vinted, United Wardrobe, des fripes. Vous pouvez acheter en fripe. Et alors Vinted, franchement, c'est une appli que j'utilise depuis très longtemps et qui est vraiment très bien. Donc voilà. Et vous pouvez aussi recycler les vêtements de vos parents, vos grands-parents. Par exemple, en vidéo, vous m'avez sûrement déjà vu porter cette petite, en fait, qui était une robe qui était à ma mère et que je garde et que je mets l'été. Et qui est très longue, mais j'utilise comme veste. Et quand il fait un peu soleil, chaud, mais en même temps que je veux pas être à poil, et ben je mets ça. Et avec le vent, ça fait des mouvements. Enfin bref, ça fait très vintage. Et vous pouvez clairement faire ça en piquant dans la garde-robe de votre père, de votre mère, de ce que vous voulez. Et en plus, je trouve que ça donne une valeur affective aux vêtements qu'on n'a pas forcément avec la fast fashion. Après, je peux rien dire par rapport à ça parce que parfois je craque encore, mais j'ai fait des études de mode, j'ai baigné un peu dans la fast fashion, donc c'est très difficile de s'en défaire et parfois je craque. Mais je pense que le plus important, c'est pas de culpabiliser parce qu'on craque de temps en temps ou parce que voilà, des moments où on a envie juste d'acheter quelque chose qui nous fait plaisir. Je pense que ce qui est important, c'est qu'au quotidien on évite de justement trop consommer comme ça. Mais une fois de temps en temps, je trouve que c'est pas très grave. Voilà, ça peut arriver, c'est pas grave les gars, détendez-vous. Pareil pour les livres, j'achète d'occasion, Book Off, je vous recommande à fond. Et je vends des livres aussi là-bas, ils les rachètent pour pas très cher, mais bon, moi ça me permet d'en racheter chez eux. Donc tous mes Bernard Werber, enfin quasiment tous mes Bernard Werber, je les ai achetés là-bas, j'y vais régulièrement. Voilà, il y a plein de trucs super cool, il y a aussi des films, des jeux vidéo, des livres d'histoire, ce que vous voulez. Et pareil pour les meubles, il y a pas mal de meubles parfois que j'achète d'occasion, qui sont en parfait état, ou je revends par exemple le canapé, comme vous voyez c'est un nouveau, mais l'ancien je l'ai vendu pour rentabiliser celui-là aussi, parce que bon, autant il y a des trucs que vous pouvez acheter d'occasion, autant les matelas, les canapés, etc. je préfère quand même que ça soit propre, mais j'ai des meubles Ikea que j'ai acheté d'occasion, enfin il y a plein de choses que vous pouvez acheter d'occasion. Et voilà, en tout cas j'espère les poussins que cette petite vidéo pourra vous aider, vous donner des idées, des démarches, etc. Je vous laisse avec la recette de bubble tea et l'annonce, et on se retrouve après pour la fin de la vidéo. Alors, pour un bon bubble tea, il vous faut des perles de... Arrête de rigoler. Il y en a un enfant qui se fout de ma gueule. Des perles de tapioca qu'on trouve dans les épiceries un peu asiatiques sur Paris. Ah là, j'ai chambre à l'été. Sur Paris, on peut en trouver. C'est Nel qui les a trouvées donc dans le quartier Jap. Ouais, vers la rue Sainte-Anne. Vers la rue Sainte-Anne, dans le quartier japonais, mais vous pouvez trouver dans le quartier chinois, c'est sûr. Donc ça ressemble à ça, des perles de tapioca à cuire. Donc c'est du manioc, je crois, en gros. Ouais, c'est du manioc en boule. En boule, voilà. Il vous faut évidemment du thé. Alors bon, moi j'ai celui-là, mais vous pouvez prendre n'importe quel thé à infuser, ou même du thé en sachet. Mais du coup, le but, c'est de pas en utiliser. Donc voilà. Et il vous faut un sirop ou du jus de fruits un peu concentré pour donner du goût. Du coup, nous, on a fruits de la passion, on a testé aussi iced tea, c'est très bon. Donc voilà, j'aurais bien aimé trouver mangue, mais j'en ai pas. Il n'y a pas trop de sirop de mangue. Et bien sûr, il vous faut une paille et un récipient ou une tasse pour pouvoir boire votre bubble tea. Donc voilà.
Donc les poussins, je voulais juste vous parler donc de notre projet de collection de pins avec Manon alias Data Quad Foster sur Instagram, vous la connaissez sûrement. Et donc on voulait faire cette collaboration de pins justement par rapport à l'écologie aussi, parce qu'on voulait reverser, enfin on va reverser 1€ de la vente de chaque pins pour une association qui s'appelle Sea Shepherd sur, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, etc. Et on voulait vraiment axer un peu ça sur les déchets plastiques par rapport à l'océan, parce que Manon c'est quelque chose qui lui tient pas mal à cœur, et ben, moi aussi, parce que quand on voit qu'on a un continent de sacs plastiques et de déchets plastiques dans la mer, enfin dans l'océan, c'est un peu alarmant. Sur thème des boissons, et c'est comme ça, enfin c'est pour ça que je vous donne un peu des alternatives pour le thé, le bubble tea, etc., le café, on va vous en parler sur les réseaux, etc. Et donc voilà, on fait ça avec Sea Shepherd. Voilà, bah, en tout cas j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à regarder mes petits réseaux sociaux comme d'habitude, à me suivre sur Instagram, ici, sur Facebook, ce que vous voulez. Et si vous voulez me soutenir, il y a Tipeee pour ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Salut les poussins!